on est là, quoi, c'est là. Moi, j'ai déjà joué sur la foule. Le parrain, il avait le trac, hein. Tu parles d'un parrain et c'est normal parce que ça fait un petit moment, quoi. Sans cette nature qui est autour, le jazz, c'est une musique qu'il faut prendre à la cool, il faut pas essayer de le forcer, du coup, voilà, pour ça, c'est le cadre parfait. Mais qu'est-ce que tu fous ? On est à l'amour ! On fait les spectacles. Ce que je trouve bien en discutant avec Mathieu Chédid ou avec les autres musiciens qui sont là, ce que je trouve bien, c'est que chacun est venu avec humilité pour chercher quand même. J'ai l'impression qu'on cherche et qu'on improvise. Moi, j'ai beaucoup improvisé ce soir. J'avais des thématiques, mais j'ai tourné un peu autour. Et ça m'a fait du bien. J'ai l'impression que c'est comme une espèce de workshop, quoi. Une espèce d'atelier, une espèce de truc. J'aime beaucoup, quoi. J'étais beaucoup moins détendu il y a encore quelques heures. Parce que ça fait quand même longtemps qu'on l'a pas joué. Ça fait plus d'un an et demi qu'on l'a pas joué. On avait une heure pour tout voir, tout le programme. Je me suis rendu compte qu'ils connaissaient tous super bien la musique et qu'ils étaient mais super en place. Donc ça m'a beaucoup rassuré. C'était bien plus facile qu'on imagine parce que quand il y a un vrai projet, une vraie essence, quelque chose de très fédérateur, les gens sont présents. Et c'est vrai que lorsque Ibrahim nous a rappelé, dire est-ce que vous êtes libre au mois de juin, personne n'a hésité. Je crois que la réponse était immédiate sur les mails, j'étais oui.